Bonsoir, mon nom est Jacques-Henri Gagnon. Je suis délégué aux affaires universitaires et à la collaboration scientifique à l'ambassade du Canada en France. Et ça me fait plaisir de vous accueillir à cette soirée spéciale de découverte du Collège communautaire de Nouveau-Brunswick. Vous allez découvrir une province, donc qui est la seule province bilingue en fait du Canada. Et vous allez voir que c'est un collège qui offre énormément de possibilités. Alors, sans plus tarder, je cède la parole donc à Stéphane, qui va présenter aussi sa collègue. Merci Jacques-Henri. Bonjour, je m'appelle Stéphane Bourgoin, je suis l'agent de liaison et au recrutement étudiant du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, situé au Canada, bien sûr. J'ai le plaisir d'être l'un de vos présentateurs. Je suis également accompagné de Virginie Allard, agente de liaison au recrutement étudiant. Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick vous invite à venir étudier en français et perfectionner votre anglais dans la seule province officiellement bilingue du Canada. Donc, ça veut dire que les services sont offerts au niveau du gouvernement en français et en anglais. Et c'est un avantage de ce point de vue. Cette session a pour but de vous faire découvrir les opportunités au Nouveau-Brunswick et nos programmes de formation qui sont offerts en français. Durant la présentation, des liens seront placés dans le clavardage afin de faciliter vos recherches. De plus, dis-je, il y aura une période de questions à la fin de la présentation et vous pourrez placer vos questions dans le clavardage pour que nous puissions les adresser. Le Nouveau-Brunswick a plusieurs possibilités, dont des styles de vie de qualité, des opportunités d'emploi variées, des centres urbains dynamiques et en expansion, et 20 centres d'accueil pour les nouveaux arrivants. Ici, on voit une carte du Canada sur laquelle on peut voir diverses provinces et territoires canadiens. Dans la section en rose, on retrouve le Nouveau-Brunswick. Donc, on est situé dans les provinces maritimes à l'est du Canada, avec une population d'environ 775 000 habitants, ayant une densité d'environ 11 habitants par kilomètre carré. L'environnement comprend des rivières, des montagnes, des forêts, des centres urbains, dont Saint-Jean, Fredericton-Moncton, Moncton qui est la plus grande ville, ayant une population de 150 000 habitants. 32% de la population du Nouveau-Brunswick, c'est des francophones. Alors, ce n'est pas la majorité, mais c'est une bonne quantité de population francophone tout de même. La superficie du Nouveau-Brunswick, on parle de 72 000 kilomètres carrés environ, puis on peut dire qu'en voiture, pour traverser la province, ça peut nous prendre environ 5 heures de route pour le faire. Et on dit du Nouveau-Brunswick, un endroit où on peut vivre une vie confortable et sécuritaire. Alors, le CCNB est une société collégiale francophone. Nous offrons près de 70 programmes techniques dans divers domaines, de courte durée, généralement d'un an ou 2 ans, facilitant l'entrée sur le marché du travail pour la poursuite d'études universitaires. Nos programmes permettent d'accéder à des emplois au Canada qui demandent normalement des formations particulières. L'équité, la diversité, l'inclusion sont au cœur de nos valeurs au CCNB. Plus de 40% de notre population étudiante est d'origine internationale, en provenance d'environ 30 pays différents. Le Collège communautaire vise à rejoindre une main-d'œuvre de nos industries, de nos communautés régionales. Donc, on est à l'écoute des besoins de la communauté, soit qu'on dit communautaire, et puis on forme les gens pour les besoins de nos industries, tout simplement. Alors, on est situé à différents endroits dans la province. On voit que la plupart sont situés au nord de la province, surtout dans les communautés francophones, et on a aussi Dieppe tout en bas, qui est située près de Moncton, donc la plus grande ville au Nouveau-Brunswick. On dit que présentement, on a 30 000 diplômés du CCNB qui travaillent aujourd'hui au Nouveau-Brunswick, qui est quand même une bonne population.
Les régions sont pas mal différentes. Dieppe, qui est à proximité de Moncton, bon, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de plus de population, beaucoup d'activités. Les campus de Camelton, Bathurst, la péninsule acadienne, sont situés dans le nord de la province, le long des côtes maritimes. Et le campus d'Edmundston est situé dans le nord-ouest de la province et partage ses frontières avec la province du Québec et l'État du Maine aux États-Unis. Il est maintenant possible de visiter le CCNB de la même façon qu'on le fait lorsqu'on utilise Google Street View. On peut visiter les campus en réalité virtuelle à partir de notre site web. Un lien sera placé dans le clavardage pour vous permettre d'accéder à cette visite virtuelle. Les onglets qui se retrouvent dans la barre orange vous permettent d'accéder directement dans la majorité des ateliers, des programmes et aux services. Certains des ateliers comprennent des vidéos descriptives des programmes. Les icônes en bas à droite vous permettront de consulter les informations liées au campus ainsi que les lieux physiques de l'emplacement du site. Alors, Virginie, je te Merci, laisse la parole. Stéphane. Donc, nous trouvions important de vous dire pourquoi choisir le CCNB. Donc, chez nous, vous aurez accès à des formations qui évoluent au même rythme que le marché du travail et qui sont en adéquation avec les réalités pour vous offrir un accès privilégié à un emploi. Nous avons plus de 80 programmes et micro-certifications. Plusieurs programmes offrent la possibilité de continuer les études vers l'université avec la reconnaissance du programme par nos universités partenaires. Le CCNB offre des formations de courte durée, de 1 an à 2 ans. La majorité des programmes dépassent pas, il y a un programme de 3 ans seulement. Nous offrons des stages en milieu de travail, des cours d'anglais et de français pour les étudiants internationaux. Et le CCNB offre une éducation de qualité enseignée par les experts du domaine. Donc, il faut savoir que le mandat du CCNB est d'offrir des programmes de formation en demande au Nouveau-Brunswick, ce qui permet à la population diplômée du CCNB de bénéficier d'une vaste offre variée d'emplois disponibles. Voici les différents domaines d'études. Donc, nous avons les affaires, arts et culture, bâtiments et génie, pour en nommer que quelques-uns. Là, nous avons l'industriel, les métaux, le secrétariat, puis plusieurs programmes en santé. Vous pouvez trouver toute notre liste sur le site Internet ccnb.ca. Donc, voici ici un aperçu des programmes. On en voit quelques-uns. Vous pouvez voir dans le domaine des affaires, on a l'administration des affaires générales, le marketing, bâtiment et génie, nous avons technologie du génie civil, industriel, nous pouvons retrouver par exemple la technologie du génie, en sciences naturelles, technologie de l'environnement, dans les sciences de la santé, plusieurs programmes intéressants, par exemple assistante de laboratoire médical, également assistante dentaire, pour en nommer que quelques-uns. Alors, on parle aussi des différences des systèmes scolaires parce que les termes que nous, on utilise au Nouveau-Brunswick ne sont pas nécessairement les mêmes qu'on utilise ailleurs dans le monde. Alors, nous avons un tableau comparatif des systèmes éducatifs qui explique un peu à quoi peut ressembler au Nouveau-Brunswick notre système relativement à ceux ailleurs dans le monde. Donc, ce système aussi, ce tableau comparatif sera disponible à partir de notre site web et le lien sera placé dans le clavardage. Ici, on peut voir que l'on nomme le collège ou le lycée en France, ça correspond au secondaire ici, au Canada. Le mot collège au Nouveau-Brunswick est surtout utilisé pour les études postsecondaires. Le mot baccalauréat est un terme utilisé pour l'obtention d'un diplôme universitaire au Nouveau-Brunswick, versus l'obtention d'un diplôme du secondaire en France. On voit aussi dans le tableau comparatif pour les informations pour le Maroc, le Cameroun, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est
quand même, si ce n'est pas clair pour vous, gênez-vous pas, revenez-nous avec des questions et on pourra vous expliquer. Mais les termes qu'on utilise ne sont pas les mêmes termes que vous utilisez. Alors, c'est bon de se familiariser avec tout ce qui touche à ceci. Au niveau des conditions d'admission, afin d'être admis à un de nos programmes, vous devez rencontrer les critères d'admission basés sur vos formations du secondaire. Je tiens à dire que l'âge n'est pas un facteur qui vous empêche d'accéder à nos programmes, puisque nous offrons à chaque année des formations à des adultes qui visent tout simplement de changer de carrière. Pour avoir les prérequis, tout simplement, c'est pour s'assurer que si on a tous les bons prérequis pour entrer dans un programme, on a des bonnes chances d'avoir du succès et on aime que les gens puissent avoir du succès dans nos programmes. Alors, ici, on voit les profils d'admission. Afin d'être admis à nos programmes, vous devez rencontrer les critères. C'est tout simplement ici, vous verrez les lettres de A à P qui correspondent à des profils différents puis qui sont liés à des programmes. Alors, par exemple, le profil D demande des mathématiques plus avancées et peut correspondre aux mathématiques les plus avancées de votre secondaire. Un autre exemple, pour notre programme de soins infirmiers auxiliaires, nous demandons un profil d'admission F qui demande que vous ayez de la mathématique et le plus haut niveau de biologie avec une note de passage de 65%. Alors, ce dernier qui demande une note de passage avec un pointage, en général, ce n'est pas le cas pour la majorité de nos programmes parce que nous autres, à l'entour que vous avez réussi le programme, vous avez quand même des chances d'une admission parce que on ne se base pas sur la meilleure note, mais en fait sur un procédé du premier arrivé, premier servi pour l'accès au programme. J'aimerais faire un ajout pour aussi indiquer que certains de nos programmes mènent à des emplois où vous allez devoir travailler en français et en anglais. Alors, ne vous inquiétez pas parce qu'on offre de la formation en anglais, des cours en anglais pour vous aider si vous avez besoin d'améliorer votre anglais aussi. Une petite mise en garde sur le site web, l'ensemble des programmes disponibles qui se présentent là ne sont pas tous destinés aux étudiants internationaux. Tout simplement parce qu'il y en a qui ont des critères, un exemple, il faut posséder un permis de conduire classe 5 du Nouveau-Brunswick pour pouvoir accéder à ce programme. Alors, on sait que ce n'est pas toujours possible d'avoir le permis de conduire classe 5 du Nouveau-Brunswick si vous arrivez de l'extérieur. Si vous avez déjà une formation au postsecondaire, puis vous êtes intéressé de débuter une formation au CCNB, il y a aussi une possibilité de reconnaissance des acquis qui se fait normalement lorsque vous débutez le programme avec le professeur puis entame tout simplement le processus. Par exemple, une personne qui a déjà une formation comme électricien, il va déjà avoir plusieurs notions applicables au Canada. Il n'y a pas besoin de reprendre certaines sessions. Par contre, pour se familiariser avec les normes et les standards canadiens ou en Amérique du Nord, il va quand même devoir suivre certaines formations quand même. Pour la liste complète des programmes offerts aux étudiants internationaux, veuillez consulter le feuillet international qui est placé dans la clavardage de cette session. Donc maintenant, faire le choix entre le collège ou l'université. Choisir un parcours qui vous ressemble. Donc, ici, on va donner des éléments. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre le CCNB versus une université, par exemple? Donc, ici, les programmes, lorsque vous allez suivre un programme, la finalité va être différente. Donc, au CCNB, vous allez terminer avec un certificat ou un diplôme versus à l'université, ça peut être un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat. Au CCNB, la formation est d'une durée courte, comme on l'a mentionné tantôt. Les programmes sont moins de 3 ans. La majorité sont de 1 an à 2 ans. Puis pour le mentionner, bien, ça vous donne accès, on parle également du permis post-diplôme, donc avec le collège et une
on est désigné, donc ça vous permet d'avoir les avantages d'appliquer pour le permis post-diplôme avec le certificat et le diplôme que vous allez recevoir au CCNB. Versus à l'université, qu'un baccalauréat est un minimum de 4 ans. Vous voyez ici, on vous a mis des exemples d'horaires, donc au CCNB, c'est à peu près 25 à 30 heures par semaine, qui est un horaire qui est régulier. Nous, on dit que ça ressemble à l'école, au système scolaire chez nous, ça ressemble comme à l'école dont la transition se fait très bien. Les classes, c'est structuré, puis c'est toujours la même horaire chaque jour. Tandis qu'à l'université, ça peut changer d'une journée à l'autre. Puis, c'est environ 15 heures de formation habituellement par semaine, mais qui peut donner beaucoup plus d'heures d'études chez soi. Également, les classes au CCNB, c'est des petites classes qui est très conviviales. Donc, on connaît bien nos collègues, le professeur. Donc, c'est un environnement qui est très chaleureux. Donc, on se sent bien là, dans nos salles de classe. À l'université, juste par une comparaison, qui peut avoir des classes beaucoup plus grandes, il peut avoir des gros amphithéâtres de 200 personnes avec, ou des classes avec beaucoup plus de gens qu'on va nécessairement peut-être moins connaître que dans les petites classes conviviales du CCNB. C'est ça pour cette diapositive ici. À votre arrivée, nous sommes là pour vous. Nous avons une panoplie de services. On va tout vous présenter les services qui vous sont offerts. Donc, nous avons 6 agents d'accueil et d'intégration. C'est une belle équipe qui sont là pour vous accueillir puis vous aider dans vos intégrations au Canada. On a une personne par campus, donc pour t'accompagner pendant toute ton année collégiale et pour tout faciliter ton intégration. Donc, il y a divers services, on va tous les nommer, et il y a différents ateliers qui peuvent vous être offerts. On a également 3 conseillers réglementés en immigration et 1 consultant réglementé en immigration canadienne. Donc, ici, nous aborderons tous les services qui sont offerts aux étudiants internationaux. Également, les services qui sont offerts au campus à tous les étudiants et les centres de soutien à l'apprentissage. Donc, pour débuter, on a une bourse de recrutement de 1 000 $. Tous les étudiants internationaux qui s'inscrivent à temps plein dans un programme régulier d'au moins 32 semaines, menant à un certificat ou un diplôme, sont admissibles à la bourse de recrutement de 1 000 $. Ensuite, vous pouvez également faire des virements bancaires avant votre arrivée. Nous offrons du soutien avant l'arrivée, de la recherche de logement, également d'un accompagnement initial, le logement, épicerie, santé, des programmes de jumelage, des conseils d'immigration et plus encore. Pour les services au campus, on a tout ce qui est les conseillers en orientation, un conseiller en intervenant en santé mentale, de services d'emploi, de cours de langue, bibliothèque, la cafétéria, puis on a une association étudiante qui va également vous aider à vous intégrer, à connaître les autres étudiants. Le centre de soutien à l'apprentissage est également très important pour venir vous soutenir si vous avez des besoins additionnels. Vous pouvez communiquer vos besoins d'accommodation à nos conseillères d'accessibilité à l'apprentissage. Puis, dès la confirmation de votre inscription et avant le mois de septembre, donc on va préparer tout l'accommodement que vous aurez besoin. Ça va pouvoir être mentionné également dans la demande d'admission. Donc, ici, on vous présente les 15 centres d'accueil pour les nouveaux arrivants à travers du Nouveau-Brunswick. Donc, vous pouvez voir que vous allez être bien accueillis partout, dans tous les coins du Nouveau-Brunswick. Donc, ils vont pouvoir vous donner plusieurs services avant votre arrivée, évaluer les besoins et vous orienter vers d'autres services, vous aider dans votre recherche de logement, également l'inscription des enfants à l'école, la recherche de services de garderie,
des services de pré-emploi et aide de la recherche. Également, vous aider à la recherche d'emploi. Obtenir une évaluation linguistique et s'inscrire à des cours de français et d'anglais. Ça va également vous aider à créer des liens dans la communauté et voir les activités qui se passent dans la région. Alors, ici, on va parler de qu'est-ce que vous visez à envisager comme expérience au Nouveau-Brunswick. Alors, les possibilités de travailler, de faire des stages durant vos études, ça se fait. Chacun de nos programmes a des stages qui vous permettent de vous faire connaître par les employeurs. Un exemple de ça, on a eu 11 étudiants qui sont allés dans un stage chez un employeur en cybersécurité. Et l'employeur a retenu 10 des 11 étudiants parce qu'il y avait 10 postes à offrir à ses étudiants pour un emploi immédiatement à la suite de leur diplôme. Vous pouvez acquérir des chances qui sont quand même très intéressantes chez nous pour cet aspect. Au niveau de la communauté, c'est de taille humaine qu'on dit, c'est de qualité de vie excellente et en sécurité. On dit aussi qu'on peut profiter d'apprendre l'anglais si ce n'est pas notre force. Le collège vous donne un coup de pouce sérieux de ce côté. Aussi, le coût de la vie et du logement est considéré abordable. Au Nouveau-Brunswick, on parle qu'il y a plusieurs professions prioritaires qui sont en demande. C'est à considérer si vos intérêts d'aller étudier dans ces domaines sont de la partie. Alors, on parle ici, entre autres, le personnel infirmier immatriculé. On a d'éducation en enseignement, éducation à la petite enfance. Il y a d'autres aussi formations. Ceux en jaune, éducation à la petite enfance, c'est une formation qu'on offre au CCNB. Alors, on passe aux autres aussi par la suite, qui sont des formations offertes au Nouveau-Brunswick. Donc ici, on parle de foresterie, mais on parle de construction résidentielle. Beaucoup d'électriciens sont en besoin, des plombiers, des charpentiers menuisiers, des briqueteurs maçonneurs. C'est des formations qu'on donne au CCNB. Et en technologie de l'information, des personnes qui sont en analyse, des consultants en informatique, au niveau des administrateurs de données, des programmeurs, des développeurs, de médias interactifs, des techniciens de réseau, c'est tous des gens qu'on a besoin ici chez nous. Est-ce que vous êtes prêt à sauter le pas et tenter l'aventure au CCNB? Donc ici, on va voir les droits de scolarité et les frais associés. Le premier frais à traiter, ça serait le 100 $ qui est à payer pour payer les frais de traitement de la demande d'admission. Ensuite, on demande un 50 $ pour des frais de confirmation. Donc, ça va confirmer votre siège au CCNB. Une fois admis, ces frais de 500 $ sont déduits des droits de scolarité. Donc, ça inclut comme le premier paiement envers les droits de scolarité. Ce montant ici est non remboursable. Les deux premiers, le 100 $ et le 500. Ensuite, le droit de scolarité, 9 076 $ pour le programme régulier par année. Ici, on a mentionné également la bourse de 1 000 $ qui est disponible, qui est pour tous les étudiants internationaux admis dans un programme de 32 semaines. Donc, c'est applicable sur les droits de scolarité. Ensuite, 300 $ d'assurance maladie et hospitalisation. Un 300 $ technologique. 100 $ de cotisation étudiante. Et aussi, juste pour mentionner que c'est en dollars canadiens, donc 1 $ canadien qui est à peu près 0,69 là, converti. Ici, comment faire une demande d'admission? Donc, c'est très simple. Il y a 3 étapes importantes à la demande d'admission. Alors,
je vois qu'il y a des problèmes techniques pour Virginie. Et je vais continuer. Alors, les étapes sont simples. On crée un compte à partir de la page admission à ccnb.ca. Alors, on va placer des liens dans le clavardage pour vous faciliter la tâche et le trouver soit directement le lien pour le formulaire ou la page sur notre site web qui donne aussi des directives et des instructions pour savoir comment s'y prendre pour la demande d'admission. Par la suite, lorsque vous allez faire votre demande d'admission, on va vous demander de télécharger vos relevés de notes officiels et tout document indiqué, soit en mode PDF, pour que nous, on soit en mesure d'évaluer si vous rentrez dans le profil de l'admission pour le programme désiré. Puis, vous terminez par tout simplement payer les frais de traitement, donc le 100 $ à ce moment-ci, pour que nous, on puisse traiter votre demande. Virginie, je vois que tu es de retour. As-tu d'autres choses à ajouter là-dessus? C'est complet. C'est complet. C'est bien. Alors, je te laisse continuer ici. Excellent. Donc, la bourse de recrutement international du CCNB, le 1 000 $ qui est applicable sur les droits de scolarité. Donc, voici les critères d'admissibilité. Donc, être titulaire d'un permis d'études, s'inscrire à temps plein au CCNB dans un programme régulier d'au moins 32 semaines et satisfaire aux critères et aux conditions d'admissibilité en vertu de la politique et des procédures du CCNB sur l'admission des candidats internationaux. Donc, tous les étudiants ont accès à ce beau 1 000 $ de bourse pour réduire le montant des droits de scolarité. Pour les conditions et les formalités autour de comment ça fonctionne, il va aussi avoir un lien placé dans le clavardage qui vous permettra de comprendre les détails de la bourse de recrutement international. Nous allons donc procéder avec la période de questions. Je vais lire les questions à mon collègue Stéphane, puis on va passer une question à la fois. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis par la suite, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer au courriel que vous voyez ci-dessous, info@commercialeccnb.ca. Puis c'est notre équipe de recruteurs qui se charge de vous répondre. Merci. Donc, écoutez, moi, j'ai quelques questions en attendant que les gens en posent dans le chat. Donc, il y a certaines choses qui ont attiré mon attention, dont, entre autres, la question du virement bancaire avant d'arriver. Donc, comment on fait pour faire un virement bancaire si on n'a pas de compte de banque puis si on n'a pas d'adresse au Canada? Il y a, à partir de notre site web, un logiciel qui s'appelle « Pay My Tuition ». Alors, vous pouvez accéder à ce logiciel-là, puis vous pouvez faire le virement directement chez nous à partir du logiciel. Ça vous permet de tout simplement utiliser la plateforme et faire le virement. Si vous cherchez cette plateforme-là, vous ne la trouvez pas, envoyez-nous tout simplement une question dans info@ccnb.ca et on va tout simplement vous envoyer le lien pour retrouver rapidement cette plateforme. Et puis après ça, vous avez parlé de professions prioritaires, c'est ça, hein? C'est bien oui, ça? Oui, c'est bien ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est le gouvernement qui a défini ça ou si c'est vous? Comment ça fonctionne? C'est vraiment la province de Nouveau-Brunswick qui a pris une initiative de mettre ça en valeur parce que selon les statistiques, ils savent que dans les prochaines années, il va y avoir une diminution importante, beaucoup de personnes qui vont se retirer à cause de l'âge. Et puis, on va avoir une pénurie, tout simplement, dans ces domaines. Et on veut s'assurer de continuer à fonctionner. Et donc, les emplois prioritaires sont ciblés par la province. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a des aides de la province pour les formations? Est-ce que ça veut dire que c'est plus facile, par exemple, de se trouver un emploi dans ce domaine-là par la suite? Est-ce qu'il y a des facilités? Oui, c'est facile de trouver un emploi dans ce domaine-là par la suite. Donc, c'est certain que pour une personne qui vise, par contre, à s'ouvrir sa propre entreprise, mettons comme en charpenterie, à cause de certaines normes, il faut qu'il complète quand même sa certification saut rouge. Alors, c'est une attente. Tu ne peux pas juste suivre le programme d'un an chez nous
et après ça, penser à ouvrir ta propre entreprise, à moins que tu embauches des gens qui sont certifiés sur rouge pour suivre les normes. Mais il y a des gens aussi que qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'intention de faire ouvrir leur propre entreprise, mais pour connaître les aspects aussi d'ouvrir leur propre entreprise, ils vont suivre la formation qu'on a ici de gestion de petites et moyennes entreprises. Alors, ils vont connaître comment le système des taxes et tout fonctionne chez nous, comment est-ce qu'on doit gérer les affaires. Puis ça, c'est un programme de courte durée d'un an aussi. Alors, on peut suivre ce programme-là, après ça, un autre programme dans notre domaine d'intérêt, puis avoir la chance d'ouvrir une entreprise et en suivant les normes, évidemment. Mais c'est possible parce qu'il y a des gens qui réussissent à le faire. Et donc, j'ai une autre question donc, concernant cette fois-ci les stages. Est-ce que les stages, c'est le jeune doit le trouver lui-même ou si c'est le collège communautaire du Nouveau-Brunswick qui démarche les entreprises pour placer les candidats? En général, c'est le collège communautaire qui le fait. On a énormément d'employeurs qui veulent avoir de nos personnes en stage. Entre autres, un exemple, il n'y a pas longtemps passé, il y a des gens d'ailleurs très loin dans la province qui m'ont appelé pour savoir si nos élèves étaient prêts pour aller en stage chez eux parce qu'ils avaient l'intention de les embaucher par la suite. Puis, au niveau de la cuisine et l'art culinaire, toutes les personnes étaient déjà engagées parce qu'il y avait plein d'employeurs locaux déjà qu'ils avaient besoin. Normalement, ce n'est pas un problème. On n'empêche pas la possibilité, si l'étudiant, lui, veut se trouver son stage, c'est quand même possible. Il s'arrange normalement avec le professeur pour le faire. OK. Et il y a une question aussi d'un jeune homme qui vient du Togo, donc qui dit qu'il a un parcours en philosophie, qu'il n'a pas encore sa licence, et est-ce qu'il peut poursuivre son cursus chez vous et à partir de quand postuler? En philosophie, on n'a pas de programme, nous, en philosophie. Il en existe, par contre, du côté université. Donc, pour ça, je pense qu'il peut vérifier auprès de l'Université de Moncton, s'il veut suivre en français au Nouveau-Brunswick. C'est un exemple parfait de ce côté-là, parce que oui, les gens suivent des formations en philosophie, puis il y en a qui deviennent professeurs en philosophie et aussi dans d'autres domaines connexes à cette formation. Stéphane, tu vas reformuler la question comme cette personne-là, exemple, en général, elle n'a pas encore sa licence. Est-ce qu'elle peut poursuivre chez nous et à partir de quand qu'elle peut postuler? Si elle n'a pas encore sa licence, elle n'a pas complété sa formation, c'est bien ça, je comprends? C'est ça, oui. OK. Si elle veut poursuivre sa formation chez nous, bien évidemment, pour ce domaine-là, il faudrait qu'elle s'informe sur comment faire auprès de l'Université de Moncton parce que ce n'est pas quelque chose qu'on offre ici. Mais elle peut suivre d'autres formations s'il y a quelque chose qui l'intéresse chez nous, évidemment, parce qu'il y a plusieurs opportunités aussi. Donc, par exemple, quelqu'un qui a fait de la philosophie, puis qu'après ça, donc, il en a fait 2 ans, puis là, il dit, moi, ce qui m'intéresserait, c'est la cybersécurité, par exemple. Oui. Donc, est-ce que les cours qu'il a fait en philosophie pourraient lui être crédités en vue d'obtenir son diplôme chez vous? C'est très spécifique. Je pense que ça serait quelque chose quand même qu'il devait explorer directement avec le professeur une fois qu'il est sur place. Il y a peut-être des formations qu'il a suivies au niveau de soit sa mathématique, son français ou des domaines qui sont rattachés. Mais il faudrait vraiment qu'il vérifie là, auprès du professeur pour savoir qu'est-ce qui peut être crédité. Et toujours donc dans le même cas de figure, donc quelqu'un qui voudrait par exemple devenir enseignant, est-ce que c'est une formation qui est offerte chez vous? Pour devenir enseignant, c'est une autre formation qui est offerte à l'université. Évidemment, là, on a des standards particuliers qui sont universitaires. Par contre, c'est sûr qu'on peut commencer chez nous. Une formation qui peut mener vers, mettons, si on va en informatique, puis on veut enseigner l'informatique plus tard, bien, on peut commencer n'importe quelle formation en informatique chez nous. Puis après ça, aller à l'université, compléter un bac et pouvoir aussi faire l'enseignement.
Est-ce que vous avez des passerelles avec des universités, par exemple, pour certains Oui. programmes qui permettraient de faire moins d'années à l'université? En particulier ici, on a la passerelle avec l'Université de Moncton pour des soins infirmiers auxiliaires vers le bac en sciences infirmières. Alors ça, la façon que ça fonctionne, on complète le 2 ans de formation chez nous en soins infirmiers auxiliaires. On travaille durant une période de 6 mois et après ça, on devient éligible pour la passerelle pour par la suite débuter la formation en soins infirmiers au niveau de sciences infirmières à l'Université de Moncton. Est-ce que la personne, donc, a continué à travailler pendant qu'elle a fait ses études ou s'est aménagée ou il faut qu'elle arrête son travail puis là, elle commence les études au niveau universitaire? Il y en a plusieurs qui travaillent en même temps. Aujourd'hui, avec la façon qu'on donne les permis d'études et travail, c'est plus ouvert que c'était dans le passé. Les gens ont plus de possibilités de faire du travail. Par contre, on déconseille le travail pendant les études parce que les gens ont de la difficulté à, parce qu'ils vont travailler de soir et de nuit, ils vont pas bien dormir, ils vont pas équilibrer leur vie et ils vont comme conséquent, leurs notes sont moins bonnes, leurs chances de succès diminuent. Alors, si on vient étudier ici, on propose aux gens de se concentrer pendant la courte période de temps vraiment sur ces études afin d'avoir de bien réussir. Et après ça, plus facilement compléter toutes les exigences du domaine. Il y a quelqu'un qui nous pose la question de savoir est-ce que on a besoin d'avoir un permis d'études avant de postuler à un programme d'études chez vous? Alors, la façon que ça fonctionne, on fait une demande d'admission en ligne chez nous. Alors, tu vois sur le site web, on crée le compte, on fait la demande d'admission, on choisit le programme, on envoie les PDF de nos Nos relevés de notes résultats. et nos résultats. Et on doit obtenir une lettre d'admission de chez nous avant de faire une demande auprès de l'immigration pour le permis d'études. Donc, c'est ça, Normalement, c'est très important d'obtenir la lettre d'admission donc avant de déposer donc une demande de permis d'études. Et vous ne pourrez pas, en fait, déposer la demande de permis d'études si vous n'avez pas la lettre d'admission. C'est un c'est des ça. documents qui est nécessaire pour faire la demande. Oui, exactement. Mais si vous allez voir sur le site d'Immigration Canada, vous allez voir les informations sont très bien détaillées. Alors, prenez le temps de faire la lecture des informations sur le site web. Puis vous allez voir que il y a beaucoup de détails qui vous permettent de bien comprendre le processus. C'est important, par contre, que si vous décidez de faire une demande d'admission ou vous demandez pour une admission chez nous, vous devez obtenir votre lettre d'admission avant le 1er juin de l'année, parce que si vous attendez trop longtemps et ça dépasse le 1er juin, il y aura au niveau immigration, il n'y aura pas beaucoup de temps ou pas suffisamment de temps pour traiter votre demande pour que vous puissiez obtenir votre permis d'études à temps pour entrer en septembre. Ça, c'est tout à fait juste. Il ne faut vraiment pas oublier ça. C'est que, donc, il y a des délais de traitement pour obtenir le permis d'études. Et souvent, donc, les étudiants tardent à soumettre leur dossier. Ce qui fait que, ben, je veux dire, ils arrivent au mois de septembre et puis, ben, ils n'ont toujours pas encore leur permis d'études. Et là, ben, juste aujourd'hui, par exemple, j'ai eu 2 cas comme ça de jeunes qui m'ont contacté en me disant, ben, Jacques, qu'est-ce qui se passe, Monsieur Gagnon? Mon permis n'a pas été émis encore. J'ai acheté mon billet d'avion. Jamais acheté son billet d'avion tant que vous n'avez pas obtenu votre permis d'études. Et donc, c'est important de s'y prendre le plus tôt possible. Et vous pouvez voir d'ailleurs les délais de traitement sur le site d'IRCC. Et donc, c'est quand même assez transparent. Et vous allez voir que donc il faut s'y prendre à temps. Et c'est important aussi d'avoir donc un passeport qui a une durée de validité qui excède la durée de vos études. Parce que le permis d'études, en fait, c'est un quelque chose qu'on va coller dans votre passeport. Et si votre passeport donc échoue pendant la durée de vos études, vous allez être obligé de redemander un permis d'études. Comme c'est assez long à obtenir, puis c'est un peu compliqué, c'est préférable d'être de le faire juste une fois. Puis après ça, Voilà. vous avez la paix. Oui. Puis, gardez en tête aussi que si vous faites une demande d'admission auprès du CCNB aujourd'hui,
Vous complétez votre demande, ça peut aller de 6 à 12 semaines avant que vous obteniez une lettre d'admission. Alors, parce qu'on a un volume très élevé au niveau international des demandes, il y a beaucoup de gens qui postulent. Alors, il faut vérifier les données, s'assurer que la personne est éligible. Puis après ça, on passe à l'autre, mais le volume est très grand et ça prend énormément de temps avant qu'on puisse même répondre à tout le monde. Alors, gardez en tête ce délai de 6 à 12 semaines aussi avant d'obtenir une lettre d'admission. Et après que vous avez la lettre d'admission, vous devez aussi prévoir les délais pour obtenir votre permis d'études. Donc, on a une autre question ici, c'est est-ce qu'avec le niveau terminal, je peux m'inscrire au collège? Autrement, je suis en terminale, pas encore diplômé, puis-je avoir une admission? On indique que c'est important d'avoir les 12 années d'études principales, donc complétées secondaires. Ça peut dépendre aussi du programme que vous allez choisir parce qu'il y a des programmes qui vont demander un niveau plus élevé en mathématiques, un niveau plus élevé en biologie ou en d'autres choses. Alors, votre choix de programme peut dépendre aussi. Si tu as quelque chose à ajouter, Virginie, sens-toi à l'aise là-dessus. Oui, je pourrais rajouter que si vous n'avez pas complètement terminé, habituellement, on peut quand même faire une demande d'admission. Puis, c'est important d'insérer les relevés de notes que vous avez le plus à jour possible. Et si vous êtes juste en train de finir le baccalauréat, par exemple, vous pourriez insérer les documents de relevés de notes les plus à jour. Et ensuite, lorsque vous aurez terminé, on réenvoie les derniers relevés de notes pour compléter votre dossier. Mais à ce moment-là, vous allez être admis sous condition de nous envoyer les derniers relevés de notes. Donc, ça serait possible de pouvoir faire une application pour justement avoir plus de chances d'être accepté sur le haut de la liste, vu qu'on est les premiers arrivés, premiers applicants. C'est comme ça que ça fonctionne. Le premier qui applique, c'est le premier qui va avoir une admission. Donc oui, vous pourriez faire une admission, même si vous n'aurez pas terminé, puis avoir une admission conditionnelle à envoyer les relevés de notes finales. Tu m'expliques bien, Stéphane? Oui. Ça fonctionne bien comme ça. Peut-être encore mieux que ce que j'avais à dire. Si ce n'est pas clair pour vous, sentez-vous à l'aise, par contre, de nous envoyer une question en info à commercial ccnb.ca, puis on vous enverra des liens avec d'autres détails qui vous permettront de lire adéquatement l'information et sentez-vous à l'aise simplement de questionner, essayer de comprendre les détails. S'il y a des questions plus aiguillées, plus pointues, on pourra même adresser la question directement à notre service d'admission. Ces gens-là, eux, ils font la vérification des documents, des dossiers. Ils ont vu plusieurs, une grande variété de scénarios. Alors, ils vont être en mesure de nous dire si ça peut fonctionner ou non, dans votre cas, à vous aussi. Okay. Je pourrais peut-être même rajouter que une fois dans la demande d'admission, c'est vraiment intéressant parce que vous allez voir les programmes qui sont offerts à vous, aux étudiants internationaux. Donc, la demande d'admission, ça va vous regarder une fois que vous allez choisir l'année que vous voulez faire votre demande. Donc, par exemple, 2025. Ensuite, vous allez voir tout pareil si les programmes qui vous sont offerts. Donc, ça veut dire que les gens qui s'occupent du recrutement, ben, ils ont une connaissance des mathématiques qui sont enseignées au Togo, par exemple, ou celles qui sont enseignées au Sénégal par rapport à celles qui sont enseignées en France. Parce que, étant donné que vous mettez des critères pour certains programmes, donc il faut qu'ils aient une connaissance assez fine des différents programmes. C'est ça. Le bureau d'admission, il y a des gens qui sont formés à reconnaître les équivalences. Alors, le bureau d'admission, eux, vont vraiment sélectionner les gens qu'ils savent que, bon, ça correspond à ce que nous, on recherche ici. Et évidemment, si vous êtes refusé, c'est pas parce qu'on ne veut pas vous avoir chez nous, mais on accepte les gens qui ont avec la meilleure chance de succès. On ne veut pas vous inscrire ou vous faire payer pour une formation, vous allez faillir. Donc, c'est pour ça les critères d'admission, c'est pour ça les profils d'admission. On veut s'assurer que vous ayez déjà les connaissances de base qui vont vous permettre de saisir les notions qu'on va vous enseigner et être en mesure de les appliquer.
Et comment ça fonctionne? Parce que là, vous nous avez dit qu'il y avait plusieurs services qui étaient offerts aux étudiants internationaux. Est-ce que c'est le cas sur tous les campus? Parce que vous avez plusieurs campus. Oui, c'est le cas sur tous les campus. Une fois qu'ils vont arriver, ils vont être accueillis par ces personnes-là. Ils sont disponibles au service aux étudiants normalement. Puis, ces personnes-là vont aider à l'intégration, à l'adaptation, se familiariser avec la communauté, où sont les magasins, où sont les pharmacies, comment fonctionnent les choses. S'ils ont besoin de logement, ils vont les aider au niveau de logement aussi. Donc, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles là. Puis, à ne pas oublier aussi, lorsqu'on fait une demande d'admission, il y a une section aussi pour si vous avez des obstacles à l'apprentissage. Comme un exemple, moi, je suis dyslexique. J'ai besoin de plus de temps pour pouvoir lire ou écrire des choses. Bon, si vous avez un diagnostic de dyslexie, vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, il y a des personnes qui sont sur nos campus, dans tous nos campus, qui vont vous offrir des services autour pour, encore une fois, favoriser votre succès dans le programme. Est-ce qu'il y a aussi, ce sont des campus qui sont accessibles? Quelqu'un, par exemple, qui a une mobilité réduite, par exemple? Oui, les campus sont tous accessibles. Il y a des rampes, il y a la plupart, comme ici à Edmundston, il y a beaucoup des services qui sont sur le même plancher. Si vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble, je vous invite à aller visiter les visites virtuelles qu'on peut voir, comme c'est le Google Street View. Alors, vous pouvez carrément vous promener à l'intérieur du campus et voir à quoi ressemble le campus. C'est sûr qu'il y a des sections qu'on voyage dans les marches d'escalier, mais il y a des élévateurs aussi qui se trouvent un peu partout. Même si dans les présentations, on ne monte pas par élévateur, ben on les voit quand même dans les salles ici et là pour pouvoir accéder aux différentes salles de formation. Et moi, je l'ai fait hier, donc quand tu m'as parlé de ça, Stéphane, de cette visite virtuelle, donc je me suis amusé à me promener dans votre campus après. Et effectivement, donc j'ai été très surpris parce que ça permet de visiter les ateliers, de voir donc la métallurgie, les différents laboratoires. Donc, je veux dire, c'est comme si on y était finalement. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est appréciable parce que, ben, genre, il n'y a pas de surprise. Vous voyez vraiment donc là où vous allez être. Et donc, c'est pas comme si on vous avait vendu la Lune, puis vous arrivez là-bas, puis c'est ben non, vous allez voir que c'est des très belles installations, que c'est des très beaux laboratoires. Et donc, ça c'est quelque chose qui vaut le coup. Oui. J'avais une autre question concernant les services qui sont offerts donc aux étudiants. Donc, quand vous avez expliqué, donc il y avait on expliquait comment faire l'épicerie, etc. Est-ce que vous avez c'est concentré dans une semaine d'accueil où tous les étudiants internationaux font ça ensemble ou si c'est individuellement et à la demande? Il y a deux volets. Il y a à la demande, donc on peut aller vous rencontrer la personne en personne dans le jour comme ça, puis dire bon, moi, bonjour, j'aurais besoin de l'aide pour X situation. Ou il y a aussi on va céduler, donc fixer des rendez-vous de groupe pour différentes activités aussi. Donc, un exemple, au niveau de la vie au Canada, à quoi s'attendre au niveau de la température, parce qu'à l'hiver, bon, il y a de la neige, il fait froid, il faut s'habiller. On ne demeure pas à l'extérieur pour étudier longtemps, parce qu'on est surtout à l'intérieur, là, mais il y a quand même des activités qu'on fait à l'extérieur. Et puis, par la suite, il va aussi avoir de l'aide pour, mettons, comme pour l'application, pour le permis de travail post-diplôme. Alors, on donne des sessions d'information en groupe pour les gens sachent exactement comment remplir les demandes. Puis, toutes les autres informations qui sont connexes, il y a plusieurs éléments qu'on aborde pour s'assurer de l'adaptation et du succès de nos étudiants internationaux. C'est agréable de voir qu'on a pu monter ça. Je pense que les gens nous choisissent surtout parce que on a ces services. Ça permet aux gens qui sont intéressés vraiment de non seulement venir étudier ici, mais
s'adapter au Canada et même pouvoir demeurer, si c'est leur choix, de le faire en se montant un bon dossier pour après ça présenter à Immigration Canada pour faire une demande de résidence permanente. Ça démontre que la personne a non seulement bien suivi les consignes, mais aussi une formation qui est reconnue chez nous. Si tu présentes que tu as aussi un emploi chez nous, qui est fort probable parce que les quantités d'emplois disponibles sont de plus en plus élevées, ça te permet d'avoir un très beau dossier de ce côté-là aussi. C'est quoi le taux de chômage présentement au Nouveau-Brunswick? Présentement, le taux de chômage est plutôt bas. Je pense qu'il est dans les plus bas depuis quelques années. J'ose m'aventurer à dire qu'il est environ 4 % ou il a déjà été quelques années passées à 6,5 %. Il est peut-être même plus bas que 4. Je n'ai pas vérifié dernièrement, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens à l'emploi qui ne sont pas au chômage parce qu'il y a beaucoup d'emplois disponibles. OK. Et il y a une autre question aussi, c'est quelqu'un qui a une maîtrise dans un domaine donné et qui donc candidate à un programme au CCNB. Est-ce qu'il a une forte chance d'avoir le permis d'études? Évidemment, la maîtrise l'empêche pas de venir étudier dans son programme de choix chez nous. Chez nous, on a des adultes qui changent de domaine régulièrement, tout simplement parce qu'ils veulent faire un changement de carrière. Ils vont avoir des formations dans X domaines et ils vont venir chez nous étudier, mettons, comme en charpenterie, parce qu'ils veulent tout simplement travailler dans ce domaine-là. Alors, ça demeure le choix de la personne. Ça n'empêche pas une personne nécessairement de faire application, à moins que je m'abuse, parce que, bon, les gens ont l'opportunité de changer de carrière au cours de leur vie et faire des choix différents et même changer de pays. Ce qui est très important, si je peux ajouter, Stéphane, c'est qu'il faut que ce soit cohérent et il ne faut pas avoir peur d'expliquer votre projet. Donc, supposons, par exemple, quelqu'un qui a fait un doctorat en philosophie, par exemple, et qui décide de se réorienter justement pour construire des charpentes. Ça existe. Il y a des gens qui veulent faire ça parce que, ils veulent changer de carrière. Il faut l'expliquer donc dans votre demande. Si vous ne l'expliquez pas, les gens vont se dire « Mais pourquoi cette personne-là, elle a un doctorat en philosophie, là maintenant elle va faire des charpentes, ça n'a pas de bon sens. » Ou si, par exemple, vous avez déjà un emploi, donc quelqu'un qui est, par exemple, professeur des écoles, par exemple en mathématiques, puis décide de se lancer en cybersécurité. Il y a une cohérence là-dedans parce que la cybersécurité, ça va utiliser aussi beaucoup les mathématiques et tout ça, mais il faut l'expliquer. Si vous ne l'expliquez pas, l'agent d'immigration, lui, il sait pas, il n'est pas capable de lire dans votre tête et il ne sait pas c'est quoi votre projet. Donc, il faut vraiment le mettre par écrit et le faire de façon le plus compréhensible pour quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas votre situation et qui va juste lire finalement les documents que vous allez soumettre. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, ce n'est pas impossible. Par contre, il faut vraiment que ce soit un projet de vie qui est cohérent. Oui. Oui, puis je pense que juste prendre le temps d'être authentique dans votre façon de livrer l'information à Immigration Canada, ça va être plus simple pour eux de comprendre le pourquoi de votre changement, votre décision d'apporter des nouveautés dans votre vie. Parce que oui, ça se fait. Il y a des gens qui font ça régulièrement au cours de leur vie, même changent plus qu'une fois de carrière. Donc, c'est tout à fait possible. Parce qu'au Canada, la formation continue, puis je veux dire, l'éducation aux adultes, je veux dire, si vous allez dans des cégeps, si vous allez dans des collèges, si vous allez dans des universités, bien, il y a des gens de tous les âges. Oui. Moi, quand je faisais mes études, donc, je veux dire, il y avait une dame avec nous qui avait 80 ans et qui faisait son doctorat en littérature. Donc, c'était une de nos collègues, je veux dire, il n'y avait pas de difficulté avec ça. Alors, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins, par exemple, en France. Mais au Canada, c'est quelque chose qui se fait depuis très, très longtemps. Oui, c'est très commun. Il y a une question ici que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que Virginie ou Stéphane, vous allez la comprendre. C'est « Bonjour, est-ce que c'est un DLI? » Un DLI. Je vais juste vérifier.
rapidement, je trouve pas qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être qu'à si qu'elle veut le spécifier. Oui. Est-ce que vous pourriez nous spécifier qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que vous entendez par DLI? Parce que donc on est les trois dans le brouillard. C'est ça, des fois, on n'utilise pas toujours les mêmes termes d'un endroit à l'autre. Puis, surtout au Canada, on a nos propres termes pour des choses. Puis, on est à l'absence de connaître tous les autres termes utilisés partout ailleurs. Puis, comme j'avais mentionné plus tôt, qu'est-ce qui est comique, c'est qu'on dit collège et baccalauréat, qui sont des termes qui ne sont pas du tout utilisés de la même façon ici au Canada qu'en Europe. Ouais. Un établissement d'enseignement désigné. Oui, nous sommes un établissement d'enseignement désigné. OK. Donc, oui, effectivement, donc parce que vous acceptez les étudiants internationaux, donc je veux dire ça, il n'y a aucun souci. C'est quoi les programmes qui sont les plus populaires auprès des étudiants internationaux? Soins infirmiers auxiliaires, c'est très populaire. Il y a créativité et innovation aussi qui est populaire. Il y a des programmes en administration. Ceux-là sont aussi très populaires. Gestion de la chaîne d'approvisionnement et les programmes en informatique. Ceux-là, je pense, en informatique, c'est très prometteur aussi au niveau d'emploi, mais c'est extrêmement populaire aussi auprès des étudiants internationaux. Okay. Toi, Virginie, t'avais-tu d'autres programmes populaires aussi? Oui, ben à Camilton, je vois beaucoup d'étudiants dans les programmes techniques d'intervention en éducation spécialisée autisme. Dans les programmes en santé, c'est populaire également. Oui, les programmes en affaires, commis comptable et paye, secrétariat médical, c'est très populaire dans les étudiants internationaux. Il faut dire aussi que sur les questions liées au spectre de l'autisme, je veux dire, le Nouveau-Brunswick est un précurseur mondial dans l'accompagnement. On réussit à diagnostiquer très, très tôt les enfants qui souffrent du spectre de l'autisme et à les prendre en charge. Et je veux dire, on avait organisé à l'ambassade il y a quelques années une présentation, c'était une formation, en fait, ça durait une journée de temps, et donc c'était des gens du Nouveau-Brunswick qui étaient venus aussi, il y avait des gens du Québec, mais c'était surtout des gens du Nouveau-Brunswick, et il y avait un petit film d'un jeune homme qui, donc, on le voyait au début, je veux dire, bon, il n'était pas trop en contact avec son environnement, etc., puis à la fin du film, on le voit, donc, il court pour aller prendre son autobus scolaire, il est complètement autonome, je veux dire, il interagit avec les gens, je veux dire, les gens pleuraient dans la salle tellement que c'était émouvant, quoi. Et ça, c'est quelque chose que vous faites au Nouveau-Brunswick et qui est exceptionnel. Mmh. Et donc, ce programme-là, oui, on touche cet aspect-là qui est extrêmement important, mais cette formation te permet quand même de travailler auprès des jeunes, même si ce n'est pas relié directement à l'autisme, parce qu'on apprend réellement toute l'aide qu'on peut apporter à des enfants qui éprouvent des difficultés dans le système scolaire ou dans son environnement. OK. Est-ce que il y a d'autres questions? Donc, si vous avez d'autres questions, c'est le temps. Sinon, donc, je vais juste mettre un lien dans le... Parce que, donc, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick va venir à nos activités. On sera là en personne aux journées portes ouvertes à l'ambassade du Canada en France à Paris le 13 octobre et au Salon Le Figaro à Paris le 14 et le 15 octobre aussi. Donc, je mets le lien dans le chat. Comme ça, si vous voulez vous inscrire à ces activités-là, vous allez avoir donc toutes les activités qu'on organise à l'ambassade. Donc, la journée porte ouverte, c'est le 13. Mais sur cette page-là, vous allez avoir aussi les activités de nos collègues de l'immigration parce qu'ils organisent souvent des webinaires comme ceux-là sur les questions liées au permis d'études, au permis de travail post-diplôme, à la résidence permanente, à l'immigration au Nouveau-Brunswick, par exemple. Donc, vous allez retrouver ces activités-là sur la même page. Et ça se fait sur le même modèle qu'ici. Vous avez la possibilité de poser vos questions
Parce que souvent, quand nous, donc, je veux dire, nous qui nous occupons de l'éducation, quand on fait des webinaires, il y a souvent des questions qui touchent à l'immigration, mais ce n'est pas vraiment notre domaine de compétences, donc on ne peut pas donner toutes les réponses, alors qu'eux, ils sont habilités pour le faire. Et donc, c'est une ressource qui est là pour vous, et donc, je veux dire, il faut l'utiliser. Donc, si vous avez d'autres questions, je vais remettre encore une fois dans le chat l'adresse courriel. Et il ne faut pas se gêner donc pour il faut pas se gêner pour contacter le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Quelque chose qui est important, c'est qu'au Canada, donc la communauté, les relations de personne à personne sont des choses qui sont très importantes. Les gens ne sont pas des numéros. Et si vous écrivez donc au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, il va y avoir quelqu'un qui va vous répondre. C'est important de le dire parce que des fois, les gens ne sont pas habitués à avoir ce niveau de service-là. Mais au Canada, donc on le donne, et puis au Nouveau-Brunswick aussi, et donc au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, ben, ils vont vous répondre. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Stéphane, Virginie? Moi, j'invite les gens à tout simplement venir nous voir au salon à Paris. On va être heureux de vous accueillir, vous offrir plus d'informations, plus de détails sur place. Et aussi, tout simplement, nous écrire à info à commercial.ccnb.ca. On peut vous offrir des liens. Ne fouillez pas sur notre site Internet, notre site Web, et d'être frustré parce que vous ne trouvez pas exactement ce que vous cherchez. Demandez-nous plutôt, on va vous envoyer des liens ou des informations exactement pertinentes dans vos recherches pour vous économiser du temps et vous permettre de vous familiariser plus rapidement avec soit les démarches, soit les contenus des cours. Mais sentez-vous à l'aise simplement de nous poser des questions que vous avez besoin. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous les deux et je remercie tous les gens qui ont assisté à cette présentation. Et puis, ben, on a bien hâte de vous voir à Paris dans quelques semaines. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.